Allez mon Hitman, en route, c'est coop time. C'était drôle. On va patrouiller. Ah, voyage vers destination dans 4, 3, 2, 1, 0. Je suis censé être qui là actuellement? Je joue Red Hood. Jason Todd, à mes souvenirs, c'est ça? Ouais. Regarde-moi ce beau gosse là. Ouais, admire ces boules. Eh, comment on fait les émotes? Attends. C'est. Gauche. Ah, je peux t'expulser si je veux. Ouais. Hop. Ah, mais. Nyeh! C'est pas ce que je voulais faire le jeu. C'est pas grave. Vous n'avez rien vu. Hitman, j'arrive! Alors, émotes. Là. Ouais, position héroïque. Ah, je commence là. Bon, du coup, nous on doit continuer, on doit faire science bizarre, on doit aller parler à Talia Al Goulash. Hey, Malucette. Oui. Boing. Eh, hey, vas-y, viens Hitman, on descend et... appelle ta moto. D'ailleurs, vous savez que tu sais pas comment est-ce qu'on change le skin de la moto? Aucune idée, j'ai pas encore vu une moto. Hop! Ah ouais, je peux te heurter, magnifique. Bon allez, allons voir Talia là. Ouais! Franchement, je me demande à quoi faire une roue arrière, ça sert à quoi dans le jeu actuellement? Bah, est-ce qu'elle a des... Au début, ils nous ont juste dit, ouais, c'était pour passer, tu sais, les petits écarts entre les bagnoles, mais à part ça, quoi. Ah, on est arrivé. Ah, faut monter. Ah, c'est quoi ce bas de grappin qui a une portée de 2m50, là? Hop. Alors, du coup, comment ça se passe en coop? Ah, d'accord, faut que tu viennes. Voilà, techniquement, je suis lié à ton level. Ah là, cinématique time. Talia, tu n'es pas la bienvenue à Gotham. Rassemble ta ligue et allez-vous-en. Je ne suis pas leur chef. Ils m'ont congédié. Tu veux me faire croire que la fille de Ra's al Ghul n'a pas hérité du titre après sa mort? Parce que c'était pas du tout suspect de brûler son cadavre. Mon père insistait pour que Bruce soit le prochain chef de la Ligue. Et ce, malgré son refus. Depuis ce maudit duel, la Ligue n'a pour seul but que de mener à bien la mission de Ra's al Ghul. Si Bruce était son successeur, pourquoi est-ce qu'il l'a tué? C'est pas logique. Je suis bien d'accord. C'était irrationnel. Je l'avais pourtant prévenu que Batman causerait sa perte. Mais... une exposition répétée à des puits de Lazare détruit peu à peu l'esprit d'une personne. Cela finit même par anéantir son âme. Donc, plutôt que de donner à Ra's al Ghul une chance de revenir, tu l'as poignardé et t'as brûlé son cadavre, c'est ça? C'était pourtant le choix logique. Une fin indolore pour lui et un nouveau chapitre pour la Ligue. Et pour moi. Maintenant, ils veulent me tuer. Bon, on a eu tous les deux ce qu'on voulait. On peut partir maintenant. J'ai d'autres affaires à régler. L'enterrement était de bon goût. Bruce l'aurait sûrement apprécié. N'arrête ! Joue pas les veuves et pleurer avec moi. Tu n'as pas répondu à ma question. Non, mais je vais t'en poser une. Pourquoi une recrue masquée s'introduirait dans la morgue? Je sais que tu ne me suivais pas. Disons que c'est dans le cadre d'une enquête en cours. En cours? Une enquête de Bruce? Je te souhaite bien de la chance. Tu en auras bientôt besoin. Parce que lorsque la Ligue reprendra pied, elle s'en prendra à Gotham. Mais
Mais attendez. Foutu ninja. Ninja. Beffroi, j'ai vu Talia. Je pense qu'elle a quitté la Ligue. Étonnant, mais pas trop. C'est pour ça que t'as pas parlé de Langstrom. C'est pas la peine de lui donner des pistes. On a une longueur d'avance sur elle. Continuons comme man, ça. T'es bien là. Beffroi, terminé. Ouais, toi aussi. Attendez. Du coup, basiquement, si l'objectif de la Ligue maintenant... On a un problème. Tu peux revenir au Beffroi ? Qu'est-ce que tu veux ? On a reçu un message d'Harley Quinn. Oh ! Il faut que t'écoutes ça. Harley ? Ça sent les problèmes. Peux-tu ça parler de Harley Hitman ou pas ? Non. Ah non, me dis pas qu'ils ont fait un truc genre si tu rejoins la game de quelqu'un. Tu l'aides à progresser mais toi tu progresses pas. Si, je progresse quand même parce que je dois retourner au Beffroi. Batgirl ne t'a pas appelé là ? Si, mais pas pour tout. Alors du coup, pour revenir à ce que je voulais dire, du coup, si la Ligue de l'Ombre veut faire le dernier, la dernière volonté de Ra's al Ghul, c'est-à-dire d'avoir Bruce à la tête de la Ligue, est-ce qu'ils vont pas essayer de voler son cadavre? Mmh. Attends, vas-y, viens, il y a un objectif à 400 mètres, je sais pas quoi là, merde, il est où? J'ai envie de voir ce que ça donne les combats quand on joue à deux. Tu veux. Oui. Par contre, j'avoue que comme certains le disent, le grappin il est pas foufou dans le jeu. Elle s'est fait porter par contre. On peut pas piquer les bagnoles. Bon, Jason appelle sa vision détective à Batman. La vision loupard. Non, c'est la RA. Derrière moi, Hitman. Ouais, je suis derrière toi. Vas-y, fais-moi voir tes combos. Tiens, dans ta gueule. Et pouic 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 pouic. Aïe. Par contre, ça c'est un truc que je supporte pas dans le jeu. C'est que pendant que vous êtes en plein combo ou en train de faire une animation, les ennemis continuent à vous taper. Ça, je trouve ça stupide. Oh, joli. Voilà. Ah, j'ai oublié de faire des lancers, moi. C'est incroyable. Alors, regarde, parfois il y a un coffre dans la zone. Oh, RA. Vraiment, il n'y a rien. Il y avait une herse là où j'étais. Peut-être que c'est après pour la moto. Hein. La moto à moi, ça. Ça touche. Allez, bien, let's go, Beffroi. Oui. Ouais. Moi je l'oublie froid aussi hein. Ah je sais. Et de l'autre côté. De l'autre côté, moi je me dis d'aller là-bas. Oui. Bah moi j'ai la chance. De toute façon on va se rejoindre. Ouais, ça j'avoue que l'impression de vitesse sur la moto est vraiment inexistante comparée à la Batmobile de l'époque. Arrête, super la Batmobile. Et dommage qu'il y avait trop court. Oh, nuit 4, un crime déjoué. On a pas beaucoup bossé, Hitman. Pourquoi une difficulté très facile? Ah, bah c'était l'événement en fait. C'est le truc qu'on a fait, le kidnapping. Ah. Donc Harley a contacté Batman à l'aide d'un, disons, un pigeon voyageur et une clé USB. C'est comme ça qu'on a eu la vidéo? Barbe, tu m'aides? Vous croyez que c'est vrai? Bruce m'en a jamais parlé. Quand Bruce collaborait avec des criminels, il nous tenait pas au courant. Tu ne rêves pas, Tim. Mais c'est pas fou non plus de croire qu'Harley a tout inventé. Lance la lecture. On verra bien.
bizarre, parce que j'ai entendu une rumeur. Comme quoi, tu es mort. Oula. Enfin bref, j'ai ce que tu voulais. J'espère que ce n'est pas ce qui t'a tué. Ah, viens donc me rendre visite. À Blackgate. Ah. Attendez. Harley Quinn n'est pas partie de Gotham depuis que... Enfin... Son ex. M'a tué. C'est ce que tu voulais dire. Il paraît qu'elle aurait aidé le gouvernement et... qu'il se serait rangé. Vaguement. Elle a des infos. Alors on va voir Harley. J'ai ajouté des infos au tableau. Ouh là là, on va aller à Blackgate, les gens! Tu crois vraiment qu'on devrait enquêter sur l'histoire d'Harley? Bah oui. Oh, c'est quoi ce truc rouge, là? Mais elle est brillante. Elle a aidé beaucoup de gens avant... Ouais. De... Quoi? Je me souviens de la fois où on a préparé le dîner ensemble. Et Tim a recouvert Bruce et Barbe de sauce tomate. Je me souviens pas de ça. Quoi? Non, c'est pas possible, c'était l'année où... Tu sais quoi? Laisse tomber. Mais c'était pas... Si, si, attends, j'en ai une pour toi. C'est l'histoire d'un mort qui ressuscite dans un puits de substances visqueuses, tu vois? Je voulais pas... Je sais pas ce qui est le pire. M'être fait voler une partie de ma vie, ou me retrouver face à des gens qui ont peur que je pète un câble. Désolé, Jason. Ce qu'a dit Talia au sujet de la Ligue m'inquiète. Je n'irai pas du chef comme un étranger. Qui sait ce qu'ils vont faire ensuite? Vous croyez que pour une fois, ils vont se tenir tranquilles? J'en doute fort. Je rêvais. C'est un bon petit soldat, toi. Pas étonnant que t'étais le premier. Du coup, Hitman, t'as vu la cinématique ou pas? Non, mais j'en ai eu une par pour moi, à gauche. Ah, bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éviter de les lancer en même temps. Oh, regarde tes messages, messagerie de... que t'as reçu. Où ça? Quand tu restes appuyé sur le bâton ordinateur, messagerie tout à droite. J'ai reçu un message de Clark Kent. Ah ouais, mort de rire. Tu sais qu'on ne se connaît pas très bien, mais je voulais te parler. Bruce disait que tu as tendance à enfouir tes émotions et quand Bruce dit que quelqu'un est réservé, c'est que ça ne rigole pas. J'y pensais tout à l'heure et je me suis dit que tu ne dois pas avoir beaucoup de gens avec qui tu es prêt à t'ouvrir sur ce que tu traverses. Bruce comptait énormément pour moi. Et je voulais simplement que tu saches que si jamais tu ressens le besoin de parler à quelqu'un, je me ferai une joie d'être cette personne. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à se connaître. Ouais, c'est ça, t'as cru que j'allais parler à Batman, moi? À Superman, moi? Ah, Belsine nous dit Roy Harper. Oui, ce que t'as... j'ai vu vite fait sur ton truc. Regarde dans les messages. Les mecs, j'ai appris ce qui est arrivé à Batman, c'est la vache. Si jamais tu as besoin de penser à autre chose, peut-être que toi, moi et Cory, on pourra aller chercher les ennuis. Tu sais, reformer le groupe comme au bon vieux temps. Je connais quelques troncs sur Miami qui auraient besoin d'un ravalement de façade. Et la météo est carrément plus cool qu'à Gotham. Fais-moi signe, mon pote Roy Harper. Alors, ouais, je vais pas passer pour un idiot, mais c'est qui Roy Harper? C'est le Robin de Green Arrow. Ah! Ok. Moi de mon côté j'ai Shaw Sang et Bridget Clancy. Il parle de Bloodhaven. Faut pas bien que je dis Grayson. Oh, voilà. Alors regardons les équipements. Est-ce qu'on a des upgrades? Fabrication. Tenue. Ah, j'ai une upgrade, effectivement. Niveau 5, puissance 36, allez, let's go. Merci Édition Deluxe qui file la blinde de... de trucs.
Et niveau armes, est-ce qu'on a des nouveaux trucs? Ouais. Un bel upgrade. Et à distance, pas d'upgrade, d'accord. Corps à corps, hop. Ah oui, c'est vrai qu'on peut même changer la gueule de la tenue. C'est où encore d'ailleurs? On peut changer style. La tronche de la tenue. Style. Ah oui, style. Le masque j'aime bien, mais moi j'aime bien les gants quand il y a des petits trucs comme ça là, des petites ailettes sur les côtés. Toi qui choisis. Allez mon Hitmoule, il est temps d'aller à Blackgate. Oh pas mal, attends une petite seconde. Allez Hitmoule, je veux aller à Blackgate là, oh. C'est bon, je te suis, c'est toi qui es chef d'accueil, Sur le décès suspect à l'université de Gotham. La victime a été identifiée. Il s'agit du dénommé Dr. Kirk Langstrom. On me demande s'il est bien le jeu. Bah, difficile de savoir actuellement. Je réserverai mon opinion pour la fin du jeu. Oulala, là là, 700 mètres. Oui. Boing. J'ai encore changé mon visage, moi. Eh, c'est Nightwing! Non! Oh. Putain, il est où le chemin? Ouais! Je crois que j'ai un bug sur les flèches! Ça s'affiche plus sur la route maintenant! Si, moi je les vois! Et moi je les vois plus! Ah, maintenant je les revois! Tu es du mauvais côté, peut-être, non? Ah, non, j'avais eu un bug en gros, elle était pas affichée au bon endroit! Ouais, ça passe par en dessous! Par contre, les performances du jeu en extérieur, c'est vraiment une catastrophe. Enfin, même sur PC, c'est un truc de dingue. Oui, je vois les baisses de framerate, c'est hallucinant, quoi. La prison de Blackgate. Elle abrite la pire racaille de Gotham. Et je parle pas que des détenus. Piu, piu, piu. Regarde, changer. Un petit peu. Ah, oh, j'aime pas ton casque, il est dégueu. Ah, il est moche. Il est moche. Qu'est-ce que c'est? Attends. La prison est construite sur un. Est-ce que je peux changer de masque? Qui date de l'époque. J'ai pas besoin d'aller dans le. Ouais, c'est juste pour l'aspect cosmétique. Un cours d'histoire. Ouais. Ah, ça, j'ai étudié les plans cadastraux et trouvé des bizarreries. Il y a peut-être une entrée à l'ouest. Merci Beffroi, je vais aller voir ça. Je dis que je sais pas nager. Oh putain, ça veut chasser Dracula et c'est même pas foutu d'apprendre à nager. Connard. Hey, c'est joli hein, ici hein. Et allez, let's go Blackgate. C'était un autre petit rappel bien utile de Nightwing. Hey, on ne chasse pas Dracula. Non, c'est vrai, on le tue et il revient, on le tue et il revient, on le tue et il revient. Même dans la série Netflix, on l'a tué, ils l'ont tué, il est revenu quand même. Je m'attendais à une cinématique, moi, wesh. Attends, t'as tiré ton masque? Ouais, j'ai changé mon masque. On peut le faire depuis le bac ordinateur quand tu m'as tiré. Un coffre. Bonjour Destiny, comment vas-tu? Ouais, j'avoue. Et en plus, le coffre il s'ouvre à chaque fois pour chaque personne. Alors. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, je crois qu'on a fait le tour en fait. Pas grave, on sort profil. Je veux bien? Oui. Qu'il y a quelque chose à trouver? Je ne sais point. Ah! Quelque chose ici. Ah, d'accord. Message griffonné. Oui! Allez, Hitmoule!
Salut. Yo yo. Ah, les flics. Des froids, c'est bon. Direction la cellule d'Harley. La croix sur sa carte correspond au bloc 3, après la zone d'admission de la jonction. Mais les gardes ont supprimé les patrouilles dans ce bloc. Donc impossible de dire quel est le niveau de danger là-dedans. Super. C'est pas c'est quoi, niveau de danger. Il a essayé de courir. Quoi? Oh. Bah évidemment. On a de plus en plus de lapins. Je suis pas assez payé pour ces conneries. Personne ne l'est. On va le coller en isolement et on enverra le doc pour l'examiner. Je peux pas le blairer, ce type. Qu'est-ce qu'ils vont avec faire? Tentative d'évasion, il va prendre au moins 2 ans de plus, tu sais. Ouais, je le déteste encore plus maintenant. La porte est où là-bas? Ah, y a un panneau électrique. Ouais. YOLO! Ils ont rien d'autre, j'allais dire. D'où tu m'as touché? Lâche-le. Là, ça s'annonce mal. Un cadeau pour toi. Voilà. Problème réglé. Comment est-ce qu'on règle les problèmes? Ah, coffre ici. Nanana. Je vois qu'il y a un autre coffre à droite là-bas. Oh mon dieu, les gardes de Blackgate se sont fait éclater la gueule par Redwood et par Nightwing. Je pensais que c'était de notre côté, pourquoi ils nous tapent gratuitement? Parce que j'en avais envie. Allez, j'ouvre la pop-porte. Ta gueule! Ah, t'as vu Hitman? Eh bien, nous avons des invités ce soir. Accusez le feu dans l'âtre. Et Harley, t'es où? Sur haut-parleur. C'était bien sa voix. Ah, Hitman, il va être content de revoir Harley. Oh, mais y'a du monde en bas, dis donc! YOLO! Éviter de prendre les dégâts. Non, merci le jeu. Très pratique ce que tu viens de nous annoncer. Ça, c'est de l'accueil, Harley. Est-ce qu'il arrive quand on accepte? Mais prenez pas de dégâts, c'est pas un petit peu le but du jeu. Comme dans le coin. Non. Allez, let's go. Oh. Allez, on va parler à Harley. Redwood. Ben dis donc, on mange bien à la cantine. Aussi fort qu'un bœuf et 2 fois plus méchant. Ça fait un bail, Harley. Ça boum? T'aurais pas pu venir me voir un peu plus tôt? Tu cherchais quelque chose pour Batman. C'était quoi? Non, mais attends une seconde. Ça veut dire que Batou est mort? Vraiment? Eh bien, il m'a demandé d'étudier certains criminels. Parce que je suis une excellente psychiatre. De tous les criminels qu'il connaissait, c'est toi qui l'as choisi. Hé ! Je ne suis pas une criminelle !
Personne ne me comprend. Écoute, tu sais pourquoi je suis là. Tes infos. Toutes les infos sont dans ce cahier. Mais il me manque la pièce de résistance. Je voudrais que tu suives la piste de cette fiche. Ce sera parfait. Faut toujours que tu compliques tout. Ça doit être en bas aux archives. D'accord. Salut. Sinon, on en parle de ses chaussons. Les archives sont au sous-sol. On en parle de ses chaussons. Je suis quoi? Son coursier? Alors du coup, tu valides ou pas, Hitman? Vu que Harley, t'es un grand fan. Oh, bon. C'est dommage qu'elle soit autant... Ah, oui, pas faux. Elle est crevée. Laissez-les partir. Mais bon, comme c'est un autre univers, c'est pas la même chose. Tiens, il y avait un corps, en fait, là-haut. BAM! Mais tu voulais le taper. Moi je valide, moi aussi je valide le design d'Harley en vrai. C'est juste que j'aurais préféré un petit peu plus de couleur dans ses cheveux, je pense. Alors, il y a un coffre dans le coin juste à droite là. Je le sens pas. Tu sens pas? Mais moi je le sens bien. Ouh, ça résiste! Bah alors ma gueule, on résiste! Blam! Ah, tu gères! Oh, j'ai un nouveau combo! Attends, ce qui... Y'a un coffre là-bas! Comment on y va? Peut-être pas tout de suite. Ouais, peut-être pas tout de suite. Vas-y, Hitman! Attends, y'a peut-être quelque chose ici? Je sais pas, je lance le scan en boucle. Attends un instant, viens ici. On a l'air de pouvoir tourner en fait. Ah! Non, non, bête. Ben, désolé! Non. Mauvaise piste. Je peux tirer là-dessus ou pas? Oh! Déception. Même pas réaliste, t'as vu? Allez, j'ouvre la porte. Bon, toi tu restes là. J'ai commis ça dessus. À la jonction. Jette qu'il mène au sous-sol. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui? Elle est maman. C'est Big Mama de Metal Gear Solid. Jinjo. Wouh, d'accord. Quoi? Quoi? Maintenez RB Y. Ouh, ce que je lui ai mis! Ah d'accord, parce que c'est en fonction de, sa, de son truc. Ah, c'est la marraine! Putain, là, ça résiste, hein! Oh! Putain, il était pas l'aise, hein! Hey, salut messieurs, vous allez bien? T'as un visu? Ouais, regarde le visu. Bam, ta face sur le... Contre le mur. Ouais, du coup, j'ai une nouvelle compétence avec Y, c'est cool. Ouais, moi aussi. Bonjour, messieurs! Qui c'est qui a demandé une pizza? Oh, comment ça nettoie! T'as une mission à accomplir, tiens, accomplis ça, tiens, bim! Ta face sur le plancher. Moi aussi, ça nettoie. Coffre. Ah, attends, il y a quelque chose là-bas. Hmm? Il y a quelque chose ici. Du blanc. Ah, oh, merde, c'était la caisse qui était ouverte. On a déjà ouvert ce coffre. Là, je crois qu'on a ouvert une autre porte. Et Odukui, ça va et toi?
Faut aller en haut. Oui. Ah bah putain. Les genoux solides, hein. Comment ça? Personne ne vous arrêtera. Ah, attends, y'a un coffre là. Il paraît que attends. Les possibilités sont infinies. Les possibilités sont infinitonnes. Pédodo. Gros méchant, mon petit frère. Et y'a un gros derrière. Oui, j'ai remarqué, mais je suis pas sûr que je peux le. Ah non, lui, on peut pas le finish. Bonjour, monsieur, vous allez bien? Ouais, alors rêve. BAM. Alors rêve, j'ai dit. Joli. J'ai pas de jauge, moi, là, pour l'instant. En fait, en faisant une esquive parfaite, ça te la remplit directement. Bien vu. Alors, où est-ce qu'on doit aller? Je suis sûr qu'il est jouable avec le clavier souris. Oui, il doit être jouable, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est pas le même gameplay que Arkham. Par contre, la petite cinématique en ouvre les portes là. T'es trop futé pour m'envoyer chercher un vieux dossier. Oh mon dieu. Qu'est-ce que tu veux que je trouve? Ça pue Killer Crow là, non? Ouais, on descend trop bas même. Ça contient peut-être plus d'infos. Attends. Quelque chose, je vais regarder au-dessus. Ah, j'aime pas ces aspects-là. Quelque chose là. Ah, il y a un coffre à droite. Ouais, Sirius Cold, je ne dis rien du tout. Ah, si, Sirius Cold, c'est. Ah, oui, il s'appelle. C'est pas masque. Non. Salomon Grundy. Ok. Johan Crown. Qu'est-ce qu'on cherche là? Ah, déjà on cherche. Moi il me faut 4 indices. Peut-être pas le troisième là. Carte de visite. Jonathan Brandley était un avocat de Gotham. Ok. Trouver les trucs roses. Rose. C'est bien parce que je l'ai déjà examiné celui-là. Ah! Y'a un truc là, y'a un. Là. J'ai. Il m'en manque un. Ah, mais attends, ce truc là, faut examiner ce côté, je crois. Ouais. D'accord. Fais sur tueur. Une assurance sur ta main. Alors, trouver l'archive. Ah, je la vois. Bingo. Voilà ce que je cherchais, Harley. J'ai retrouvé un dossier. Je crois que j'ai toutes les infos sur cette affaire. Je me demande ce qu'Harley aura à m'en dire. Ça doit avoir un lien avec ce que Batman cherchait. On va atteindre le Nexus, hein. Ah, ça fait quoi si tu tires là-dessus? Ah, d'accord. Non, ça fait. Attends, je vois rien d'un truc pour moi. Si je tire là, ça fait quoi? Ça, faut pas tirer en fait. Ce que tu dois faire en fait, c'est que tu dois choper un garde, tu sais, quand sa vie est super basse. Oui, parce que c'est. Et faut le lancer dessus. Attends, Nightwing peut disposer des flèches sur le panneau pour créer un piège explosif. Ah. Mais pourquoi Harley a besoin de ce fichier là? Ouais, c'est ce que. Quand tu fais RA dessus, il te dit. Mais je parie qu'elle a une raison. Ah, sinon tu peux aussi lancer les gardes directement dessus, ça les. Oui, les éliminations. Élimination contrôlée. Attends. Allez, Hitman, il y a de la baston là. Vous avez encore empiré les choses. Ah, il y a une grosse mama là. Il y a une marraine, ok. Voilà. I'm coming.
Bang 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 bang. Vas-y, pendant qu'elle te focus. Je suis ready. Bing 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 bing. C'est bon. Rien de réglé. J'étais sonné à un moment donné. Ah, y'a du monde derrière. Quoi? Y'a du monde à droite. Bonjour monsieur. T'es en tout là. Où tu pourrais bien aller? Peut-être qu'il ne voulait pas demander. Je crois qu'il n'a pas apprécié ce qu'on lui a mis. Qui apprécierait ça en vrai? Et je fais tout feu tout flamme. Je crois que Harley l'a pété. Qu'est-ce qu'il a dit Harley? Pas entendu. Voilà, mais regarde-moi tout ce monde en haut là. Regarde tous ces gardes! Pas tous ces méchants! Ah. Oh mon dieu. Ah, oh, on peut péter les ballons. Attends, je vais voir s'il y a un succès à péter tous les ballons. Attends, ça marche peut-être mieux que les vieilles souris pour les ballons. Hein. Attends, what? Pratique, hein. Il y en a un tout en haut. Où ça? Trop tard, ça y est, je vais péter. Il n'y avait pas de succès, bah je suis déception. Hein. Je veux mon succès, ah ouais. Ah bah je peux plus tirer. Salut Harley, ça va? Salut. Ah. Te revoilà. Et j'ai trouvé ce que tu voulais. Donne ça. Je peux te donner ça. Minute! Je sais. Tada! Sans déconner. Non mais, j'ai l'air d'avoir 12 ans, quoi. Quoi? Merde, Harley. Je dois foncer. Rendez-moi ce ballon. Harley, t'es pas cool. Wow. Eh, j'avoue quand même que le jeu est stylé, hein. Malgré les critiques. C'est quoi cette musique? Ken Maren. Non mais cette musique c'est une reprise de... Oh là là. Ah, bordel, ça brûle! Oh, bien. C'est marrant, hein, je dis pas, mais... Ah, tiens ça, le ballon. Quand même, hein, je dois taper sur les gardes, quoi. Oh, merde. Oh, putain, je suis en train de brûler dans la flamme. Oh, je suis en train de brûler, mes dégâts.
Ah, ça j'aime pas par contre. Voilà, je vais encore brûler. Voilà, je perds de la vie pour rien. Rendez-moi le ballon. Wouh, putain. Allez, on tue Big Mama là. Attends, c'est pas du... La musique, c'est qui? Avril Lavigne, c'est pas elle. Ouais, mais si, j'ai l'impression que c'est Avril Lavigne. On aurait dit une reprise. C'est parti pour l'explosion. Merde. De ça, Harley. Bah c'était bien what the fuck, hein. Mais attends, Bud. Ok, Bud, c'est beau, c'est déjà le... Ouais. Redwood, t'es pas donné ce numéro. T'en fais pas pour ça. Je voulais juste te dire que tu vas très bientôt me revoir. Ouh. Allez, ciao. On va se revoir. Elle a raccroché. Retour au beffroi. Ok. Est-ce qu'on va directement au beffroi ou est-ce qu'on fait des autres missions? Parce que là, je vois des missions, la meuf. Activité secondaire, non, attends. Je regarde s'il n'y a pas des crimes en cours, vite fait. Ah, il y a un crime là-bas, difficulté normale, rapport du JCPD. Vas-y. Oui. Oh là là, carrément. Pas sûr qu'on aurait pu faire ça avec la Batmobile, hein. Top comme jeu, non. Je pense que ça va être un jeu sympa, bon, mais il a des lacunes. Hein. Comment on y va? L'instant. Voilà. Oui. On nous signale la présence de criminels sur place. Aïe. Pas trop. C'est pas où? En hauteur? Ouais, il faut aller en hauteur et il y a un espèce de trou sur le plafond. Ah, ça marche, je l'ai. Et... Voilà, mademoiselle. Ah, mais la musique. Eh hey, putain, tu t'es fait repérer! Ok. Oh oh. Oh punaise, mais y'a du monde! J'arrive! Et voilà, on me tape alors que je suis en pleine animation. Oh oui, oh, effectivement, il est où le connard qui... Oh putain, c'est quoi tout ça? Je t'ai vu, connard. Ok, notre personnel ne peut pas faire ça quand le mec il a le bouclier levé, quoi.
T'en sors, Hitman? Ça va, ça va. J'avoue que les gros, ils ralentissent le gameplay, hein. Hop, 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 monsieur. Oh là là, et leur bouclier, là. J'arrive, Hitman, hop. Ah, j'ai reçu une vie, nice. Ton peur. Putain. Allez, casse ton boubou, là. Oh, putain. Oh, le bug. Oh, il se... Oh. Ah, il y a un coffre en bas. Ah, il me résonne. Heureusement pour eux, j'y suis allé, mollo. Ces pauvres types n'avaient aucune chance. Ouais, il y a toujours un objectif bonus sur les missions. Ok, Ryo, bonne soirée à toi. On est passé par où? En hauteur. Par là. Oui. Alors, normalement le beffroi on peut s'y téléporter directement. Bon, il est à côté, ça va. On peut pas, on n'a pas encore le... Ah si, je peux. Ok, voyage en 3, 2, 1, go. Bonne année. La question que je me pose dans le jeu, est-ce qu'il y a réellement intérêt à déjouer tous les crimes chaque nuit? À part faire leveler le personnage. 100%. Ah! Le tableau d'épreuve a été mis à jour. Ah, ok. Oh, d'abord, regardons les équipements. Est-ce qu'il y a de la bonne upgrade? Fabrication. Tenue. Non, corps à corps, non, à distance, oui! Ouh là là, c'est des chargeurs améliorés ou quoi? Alors, ça la tenue, on la laisse, à distance. Munition d'élan, nice. Capacité, j'ai absolument rien gagné, magnifique. Le leveling dans ce jeu est sacrément lent par contre, hein. Alors, nouvelle preuve, elles sont où? Starzolk qui est mort. On est vraiment tourné au bœuf, quoi, en fait. Bah oui, on n'est pas trop chupin, apparemment. Ah, faut parler à Alfred. Dans une minute du jour, nous allons nous intéresser... Alfred à... Attends, lui, beau gosse. Les deux PC, je sais plus où je dois mettre ça. Le plus tristement célèbre de l'illustre famille Cobblepot de Gotham... Ah, ça parle des Cobblepot. ...s'est lancé dans les affaires dès son plus jeune âge. Ah. Aujourd'hui, on le voit fréquemment accueillir des clients. Lancer ou pas, Hitman? Brancher le salon de l'iceberg. Vas-y. Mais il y a encore quelques années, Cobblepot. Vous pensez à ce qui s'est passé à Blackgate, Maître Jason? J'arrive pas à croire qu'Harley nous a roulé. Elle s'est foutue de notre gueule. Et je parie qu'elle a prévu autre chose. Elle n'a pas laissé d'autres messages, ni de cartes. Avez-vous des pistes pour découvrir où elle s'est réfugiée? Pas vraiment. Mais les parias sont souvent dans le coup avec elle. C'est un bon point de départ, alors. Alors, les parias sont avec elle. Ouvrez le livre d'Harley pour analyser les preuves. Le livre d'Harley, il est là. Waouh. Harley a étudié des prisonniers au comportement particulièrement agressif. Écoutez. Il se passe quelque chose à Blackgate. On persuade la directrice. Et ça ira. Non, ces dossiers sont très anciens. La directrice est nouvelle. Elle n'est pas impliquée. Comment j'ai pu rater ça? Ah oui. La logique d'Harley laisse vraiment à désirer. Barbe? Hey Barbe, qu'est-ce que t'as trouvé? Ils sont tous sortis en faisant appel. C'est donc ça qu'Harley cherchait. Dans chaque affaire, des témoins clés ont été tués. Regardez. Ils ont tous été poignardés. Comme Langstroth. Bruce était sur une piste. Oh? Je crois que j'ai quelque chose.
Oswald Cobblepot, le pingouin. Il est comme tous les autres ici. Sauf que lui, il a purgé sa peine à chaque fois qu'il a été arrêté. Quelqu'un a dû le laisser croupir en tôle. Il est peut-être disposé à parler. Il gère le salon de l'iceberg. Il dit qu'il est clean. Il n'y a pas que l'alcool qui circule dans son bar. Aucune idée. Batman n'y a pas emmené. Si tu voulais des faux papiers, Tim, il suffisait de le demander. Oswald est dangereux. Et n'oublions pas qu'Harley est dans la nature. On doit rester prudent. Relax, Dick. Ça va, mon verre ?